le mécanicien dans un chantier, il n'a pas la place la plus importante, mais sans lui, il n'y a rien qui peut fonctionner. On s'occupe de l'entretien du moteur, les filtres, les bougies, les turbines, le contrôle du fonctionnement du moteur pour que tout aille bien. Mon autre partie, c'est en cours de saison, quand les bateaux sont à l'eau, c'est l'intervention en mer. Après mon diagnostic, j'ai déterminé que l'injecteur du sixième cylindre était à remplacer. Voilà. Alors moi, j'ai fait une école, un lycée professionnel, ce qui a consisté à faire un CAP, BEP, maintenance véhicule automobile plaisance en 2 ans, et un bac professionnel, maintenance automobile plaisance. Nous, dans le bateau, on intervient dans les ports, en mer, au large. Une voiture tombe en panne, elle tombe en panne sur le bord de la route. Nous, on a le milieu qui joue contre nous, le bateau bouge, on est sur l'eau, au-dessus, le moteur se trouve au-dessus de l'eau. C'est complètement différent. Il y a du travail pour toute l'année, bien sûr. Des clients nous disent souvent, oui, mais vous travaillez sur 3 mois. C'est-à-dire, ils pensent que leur bateau est sorti de l'eau au mois de septembre, on le jette dans un coin et on le remet à l'eau au mois de juin. En fait, non, ce qui nous fait passer la saison juin, juillet, août le plus calmement possible, c'est l'avant-saison, c'est-à-dire le travail qu'on va faire sur le bateau durant tout l'hiver pour être le moins embêté possible quand arrive la saison. Oui, c'est un métier qui embauche, oui, oui. Dans le secteur déjà, Corse du Sud, je sais que ça embauche et qu'il y a tout le temps du manque de personnel et il y a des débouchés importants. Et pas seulement en Corse, je sais que sur toute la côte aussi, il y a des débouchés. Bon, c'est important de savoir que le mécanicien en mécanique bateau est très recherché. Surtout avec des compétences, ça peut aller très très loin. Ouais. C'est la pression d'huile qui a manqué dans le distributeur d'huile, qui n'a pas été détectée. Ah, ce qui est intéressant, c'est la mer qui est intéressant. C'est les tours de bateau, je dépanne un bateau, je l'essaie, c'est ma délivrance, je me fais un tour de bateau, je commence mes journées à 7h du matin, c'est calme, la mer elle est calme, il n'y a pas plus agréable. Le soir tard, aller se faire un tour de bateau, contrôler son travail, il n'y a pas mieux, je pense.